je m'appelle Agnès Dortu, je suis donc artiste peintre installée à Fraisselines. J'ai découvert ce joli village par rapport à l'histoire de Monet, hein, qui m'a amenée jusqu'ici. Moi, venant de ma Normandie, de la côte d'Albâtre, où j'ai fait mes premiers pas dans la peinture il y a une cinquantaine d'années, dans les pas de Monet en fait. Nous sommes dans la vallée des peintres, entre Berry et Limousin. C'est plein de secrets, de mystères, ça se découvre, ça se mérite ici le paysage. Hein. Bien évidemment, il est tout à fait différent de ce que du paysage qu'ont pu connaître les peintres au début du 19e siècle. Les peintres arrivent dans la vallée, dans le sillage de George Sand. C'est une période où elle est en amour avec Frédéric Chopin. Et Frédéric Chopin va tomber vraiment en pâmoison dans la forteresse de Crozan. Elle va se sentir obligée de ramener des peintres. Et pour ça, elle est mécène. Elle va essayer de faire sortir les peintres parisiens de leurs ateliers, de les ramener dans la vallée de la Creuse. Ça va être un exercice difficile parce qu'à ce moment-là, venir peindre dehors, ça veut dire emporter beaucoup de matériel et ça, c'est très compliqué. Il va vraiment falloir attendre, au-delà de George Sand, que des moyens techniques se développent et se mettent en place pour permettre l'arrivée des peintres dans la vallée. Le premier de ces moyens, ça va être le train. On n'est plus qu'à 7 heures en voyage depuis Paris. Un autre élément qui permet d'arriver des peintres, c'est une invention par la société Lefranc-Bourgeois. Cette société va inventer le tube de peinture. Alors elle va un peu voler le brevet d'une société anglaise, mais elle va développer le principe. Ça, c'est le début de la peinture en plein air. Ce qui va faire le bonheur de la vallée, c'est surtout l'arrivée des peintres dits impressionnistes. Alors, le plus connu de la vallée, c'est Claude Monet. Mais Claude Monet n'arrivera qu'en 1889. Mais on aura aussi des post-impressionnistes, on aura aussi des futurs cubistes, je pense à Francis Picabia, on aura des fauvistes. En réalité, la particularité de la Vallée des Peintres, c'est plutôt une école du paysage où pendant à peu près 100 ans, de 1830 à 1930, les peintres vont venir des quatre coins de France. Alors quand je dis les peintres, ce n'est pas un ni deux, c'est entre 500 et 600 peintres qui vont passer dans la vallée. Ces peintres-là vont venir au fur et à mesure des années avec leurs techniques et leurs moyens et on va pouvoir dresser toute l'histoire de l'art de la période 1830-1930 en France à travers les représentations de la vallée de la Creuse. Il faut s'imprégner de l'ambiance, du lieu, de l'atmosphère du moment. Pendant le temps de la toile, on rentre dans la toile. Après, tout m'inspire, ça, c'est une fleur, un brin d'herbe, un arbre, une goutte d'eau sur la rivière, une onde, enfin voilà, c'est tout ça. Parfois le tableau naît d'un détail qu'on a vu. Hein.